Tom Bill et moi, on s'est connus quand j'étais étudiant. Quand lui, il était dans le groupe Les Salopards. Parce que très souvent en Côte d'Ivoire ici, les gens mélangent tout. Tout n'est pas politique. Tom Bill et moi, on a une relation, je dirais, fraternelle, familiale. Il venait chez moi comme j'allais chez lui. Ça n'avait rien à voir avec la politique. Hein? Donc, cette relation au-delà de la politique s'est maintenue. Et Tom Bill est un artiste qui est libre dans sa tête. Il chante ce qu'il veut, comme il le souhaite. Il chante ses convictions. Et j'apprécie ça. Je ne veux pas de gens qui sont là, bon, quand un régime chante, ils sont là-bas, ils chantent là-bas. Quand un autre régime chante, ils sont là-bas, ils chantent là-bas. Bon, ça devient une girouette. Or, un homme qui a une conviction doit pouvoir tenir ses convictions. Moi-même, je me veux être un homme de conviction. Donc, Tom Bill, vraiment, je te salue, je te remercie d'être venu me voir ici. Je considère que c'est une marque de vraie fraternité, d'amitié, d'époutiller de toutes sortes de considérations. Voilà. Et ça, c'est important. La famille, voilà. C'est important parce que je me souviens à un moment donné, on dit « Ah, Tom Bill soutient Gbagbo, il soutient tel. » Un artiste ne soutient personne. Un artiste ne soutient pas l'individu. Un artiste soutient des idées, promeut des idées. On a vu Bob Marley qui a promu des idées, qui à un moment donné de l'histoire donc, de la Jamaïque, quand les deux grands partis étaient au bord de l'affrontement armé et que le pays devait se diviser, Bob Marley a mis sa réputation et sa crédibilité en jeu pour essayer de calmer le pays. Oui, et il en a payé le prix, puisque les autres sont venus, ils lui ont tiré des balles. Il a survécu grâce à la baraka de Dieu. C'est ça l'histoire de Bob Marley. Et c'est pourquoi il a traversé le temps et il va traverser les siens. Mais quand toi tu es un artiste vraiment mange-mine, tu es dans toutes les sauces, bon, comment tu peux, voilà, et Tom Bill, je t'encourage, à un moment tu as souffert, les gens t'ont critiqué, ont dit, moi-même je suis venu, les gens disent, eh ben Tom Bill, j'ai dit, laissez Tom Bill et moi, il n'y a pas de politique entre nous. C'est pas dans politique qu'on s'est connu. Moi, j'étais à l'université, Tom Bill était assis dans les salopards, donc on se voyait, lui et moi, en dehors de la politique. Et la preuve est manifeste aujourd'hui que tu viens, et pour cela, je serai avec toi. Et il ne faut pas que les Ivoiriens soient surpris de me voir avec Tom Bill, parce que j'ai dit qu'on se connaît avant. Voilà. Donc, Tom Bill, merci d'être venu. Et je demande à tout le monde, tous les chômeurs de Côte d'Ivoire, tous les mes amis, allons au concert de Tom Bill. Hein, c'est le samedi, non? Voilà, allons. Comment on appelle? Le ticket d'entrée, c'est combien? Voilà, voilà. Achetez pour 5 000, achetez pour 10 000. Il y avait, merci. Voilà, c'est toi, Tom Bill.